Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi servent les postes de financement. Donc les postes de financement, il y en a un peu partout sur la map de Fortnite et ça ressemble à ça. Donc c'est indiqué par un petit logo de donation parce qu'en fait tout simplement c'est une boîte pour faire des dons. En fait vous faites des dons pour l'effort de guerre. Donc quand vous appuyez sur carré vous pouvez faire des dons pour l'effort de guerre. Et en fait cette nouveauté sur Fortnite c'est un truc assez spécial parce que si on veut une tourelle comme vous voyez à droite, donc une tourelle avec un siège, si on veut pouvoir acheter cette tourelle il faut faire des dons. Mais pas simplement nous ni vous, il faut que tout le monde fasse des dons. Il faut que énormément de personnes fassent des dons pour que le 0% que vous voyez financé soit à 100%. Là, on est à 0,01%. Donc, quand la communauté aura fait énormément de dons, ben le pourcentage augmentera jusqu'à un moment où il atteindra 100%. Et ensuite, on pourra acheter une tourelle via ces postes de financement. Alors, c'est pas tout parce que quand vous faites un don, vous avez quand même quelque chose en échange. Donc, par exemple, là, je vais faire un don. Boum, ça coûte 50 lingots d'or. Mais regardez, il me donne des potions en échange, des mini potions en échange. Donc, c'est quand même pas mal. En début de game, vous pouvez faire petite potion, quoi. Regardez, là, à chaque fois que vous en achetez 3 par 3, si je me trompe pas. Donc, voilà, ça peut être utile en début de game. Si tout le monde achète en début de game des potions via le poste de financement, ben je pense que le pourcentage augmentera très rapidement et nous pourrons obtenir des tourelles. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère que cette vidéo d'information vous aura éclairé sur ce sujet. Et si c'est le cas, ben n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bro. Yummy, bro.